Hop, il faut que je résiste, la VOD YouTube. Salut YouTube, c'est le Woman Lead Game, ça vient de commencer. Hop, on est un peu à la bourre, mais c'est pas grave. Carole a des fans dans le chat, incroyable. Faut pas hésiter à me dire au niveau du son, blablabla, vous connaissez la chanson. Désolé pour ça. Voilà. Carole, Carole, Carole. Oui, allez. Bonjour YouTube, il y a Carole. J'essaye de C'est me faire pas. discrète, mais impossible. En même temps, je vois pas l'intérêt sinon. Oui, c'est vrai. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, on lui a volé ses patates. C'est la plus haute importance. Rendez les patates aux abonnés. À l'aide. Comment afficher en gros le chat sur le stream? Yes, your grace. It's no phone. Wishlist! Non! Ça sort partout. Ah non, pas sur console, Sony. Rip. Ah! Carole qui donne des ordres à ses esclaves. Ah. Je vais me taire, je sens que ça va se retourner contre moi. Construisez et prospérez. Ouais, un jeu à la Age of Mythology, visiblement. Échangez et agrandissez, du coup. Enfin, expand. Je suis une bille en jeu de gestion. Oh, c'est pas très dur, en vrai. Faut juste y passer du temps, sur tout ça. Ouais, donc. Oui, c'est ultra chronophage comme genre de jeu. Ouais, alors je peine. J'y jouais beaucoup quand j'étais ado. Waouh! Honorer les dieux! Bah yes, merci Zeus. D'accord. Citadel VM. What the fuck? Ça sort sur Steam. Steam. Oh, ça doit être dur à répéter en boucle, Steam. Steam. Ah, ça va, je m'en sors pas trop mal. Steam. Ça va. Prospectus, c'est difficile. Prospectus, voilà, je me trompe déjà. Attends, on est limité en 1080p aujourd'hui. Chier. Hier, on pouvait aller jusqu'à la 4K, c'était quand même beaucoup mieux. Ouah, des téléphones. This means that portions are realistic and your ingredients will go a lot further than you would expect. Je vais faire un peu de pub pour une fois. The ingredients that you need can be found through a variety of the systems available in the game. They may be items that you purchase, crops that you can grow. They may be harvested from animals. Mais ouais, elle a reculé comme un camion incroyable.
Voilà. To then be used in future cooking, often across multiple appliances. Oh, le mini four. Oh, il m'en faut trop, hein. Je peux rien faire avec mon micro-ondes. Et j'en ai ras le cul de cuisiner à la poêle. C'est long. Cooking is a labor of love, but it isn't for. Je peux faire du vélo, meilleur jeu. C'est GTA San Andreas. Est-ce qu'on peut faire des figures avec? Ce serait marrant. Or even just a snack from the vending machine can be enough to hit the spot. But for those who are willing to tackle one of the most complex systems in Sunnyside, what awaits you is a progressive experience full of discovery. Toi, elle a des muscles, non, faut pas la faire chier. Hein. C'est trop. Ouais. Sunnyside. Il y a un Dogo. Donc qu'est-ce qu'il faut? Il y a une démo sur Steam. Ouais, c'est un peu terne, mais t'ajouteras de la couleur avec du gamma dans les options. Et hop, hop. Pourquoi c'est moche comme ça? Ah, mais c'est hyper compressé, what the fuck? C'est pas moi, c'est le live du Summer Game Fest. C'est de son côté. Ouais, ouais. Big shot TV producer, and what's your thing you're producing? Ils ont oublié le bitrate. Watching hot reality show where you have to find the most crush-worthy cast, and it is up to you to make sure that you. Et oui, en plus je stream en HDR, donc si vous avez un écran HDR, vous en profitez. Sinon, bah, rip. Vous avez quand même de belles couleurs. Non. Ah, elle est moins compressée, elle. Moi. Pour rappel, c'est des lives pré-enregistrés, bien évidemment. C'est trop bizarre que la présentatrice personnelle soit aussi compressée. Ouais. Ah, mais c'est le jeu d'hier, ça, où on se demandait ce que c'était. Oui. Et en fait, c'est de la TV-réalité. Voilà. Ou le but, c'est d'avoir un peu plus de conquêtes, si j'ai bien compris. Elle est tellement sérieuse pour un jeu comme ça. Ouais. Oh, le cliché. Ouais, elle glisse quand elle marche. C'est vrai que le wishlist en jeu, ça le fait monter tellement dans les charts, quoi. Et dit tout le monde à skip mon message à la Love Story. Après, faut lire un chat, c'est chiant, quoi. Lisez-vous vous-même, quoi. Vrai chat se répond à lui-même, quoi. Ils ont 4 mouvements de danse, ça y est, c'est la fête, quoi. Faire du toboggan, c'est bon, meilleur jeu. Et transforme tout en jeu d'horreur, là. Non ? Ce serait bien, sincèrement. J'adorerais ce plutôt. The Crash House. Ah, je l'ai bien prononcé, du coup, il a dit pareil que moi. T'as complètement raison, Mako. C'est pas normal.
But I ain't no ugly duck. Après, si vous trouvez moche vos partenaires, c'est pas de leur faute non plus, quoi. Mais non! This job should bring in a bit of cash. Just Crossing. Pas beaucoup de jeux avec les corbeaux. C'est pas vraiment corbeau, les gars. Enfin, si. Tellement ça leur réputation, alors que les corbeaux c'est des animaux très fidèles. Oui, très affectueux et très intelligents. J'en veux un. Tu m'étonnes. Je suis entouré d'idiots. C'est bon, y a un chapeau de sorcière, jeu de l'année. C'est officiel. Marco, faut que je revoie ton éducation si tu trouves que c'est bien de cramer les voitures. Hein. On en parlera la prochaine fois. Hein. Est-ce que vous avez reçu une éducation? Je vais éviter les insultes. Non. Oh, tant que c'est pas. Bon. Ça dépasse pas certains stats, ça va. Non, mais je ne vais pas m'abaisser à ça. J'ai quelques standards, on a été éduqués, quoi. Tu fais 1m50. Je veux dire... 1m56, un peu de respect quand même. Ouais, les bras levés. C'est dommage qu'elles soient aussi compressées, le décor a l'air cool. Ouais. These pillars are just the start of what makes this company such a unique voice within the current industry landscape. You're definitely going to want to make sure you stay in the loop with both of these incredible sponsors on socials to keep up with all of their incredible projects ongoing now. Speaking of staying in the loop, we love a good segue, folks. Let's immerse ourselves in a selection of narrative games. Non, Mako, tu te calmes. Je l'ai vu en face à face, t'as aucune chance. Hein. Set within a neo-noir world. Let's check it out. I'm Ellen Summers, the co-founder of Calligram Studio, and it's my pleasure to present our mystery adventure game, Phoenix Springs. It's a point-and-click game that follows a reporter, Iris, whose investigation leads her to a beautiful and eerie oasis. I've been drawing the illustrations and animations for the game for 7 years, and developing the art style was one of the main challenges. We always said that Phoenix Springs shouldn't look like anything else, which is how we ended up with a unique style that combines 3D and hand-drawn 2D. The game is set to release in September on Steam, and we can't wait for you to play it. Vas-y, montre. Ah, mais c'est le jeu de tout à l'heure. Ouais. Je vais dire ça tout le temps. Phoenix Springs. Bon, grande perche, je fais 1m80, je suis pas si grand que ça. C'est grand. C'est petit en vrai en France. Quoi? C'est le haut de la moyenne, 1m80. Bah, 80, pardon. Chez nous, ils font tous 1m85-90. Plus les années passent, plus les gens sont méga. Bah, la nourriture est un peu moins chère, donc. Fait peur le chat. Non, il est cool. Des yeux, Albert. Le vrai chat
détruit par la vie, ne cligne pas des yeux. J'ai passé par la taxidermie, oui, je veux bien croire. Ah, visiblement, non. Solitaire. Devinez le futur de vos amis. Il a perdu une corne, le monsieur. Que verrez-vous dans le futur? Il n'a rien de très réjouissant. Wishlist. Eso solo puede significar una cosa. Se jodió el plan de Agua Prieta. Una de las cosas más revolucionarias que pueden hacerse es proclamar ferozmente lo que sucede. Busca a Gregorio. Ahora sí estás en la boca del lobo. Ve por esa nota. Otros periodistas han abierto paso. La musique vénère pour une montée d'échelle, quoi. Y ahora es tu turno. Pas très lisible, le logo. Sometimes we just need to relax after a long day of stresses. Am I right? There's no shame. You're safe here. This is a safe place. You're good. So let's de-stress with the... Tu me fais stresser, madame. ...of the world of mind-bending gaming experiences with a cozy 3D puzzle experience that will soothe with some unique diorama assembly mechanics all wrapped up in a visually stunning wooden package. There's a joke somewhere in there. We're just gonna roll right past. I'm creating a cozy game with my friend. In this game, you get to piece together charming little wooden dioramas. It's inspired by the classic childhood puzzles that I love so much. The one that gave me a sense of comfort and kept me engaged for hours in a peaceful state. 15 balles pour faire des gâteaux en 3D. Ah, moi, tu prends pas de poids. Ouais. Et ça donne tellement faim, tu vois. Oui, je sais. Tu crois que j'évite les jeux de foot, pourquoi? Il y a de la nourriture dans n'importe quel jeu maintenant. Bonjour. J'ai le bug de Twitch. Il s'est stoppé, je suis trop drôle. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Ah c'est... Non, Star Stuff, ok. C'est pas le jeu d'hier. Je croyais mais pas du tout. On m'enlève vite talent. Sympa. Ils sont amusés sur la transition. Oui.
Ah. C'est disponible dès maintenant hein, sur Steam. Gaze at the stars also gaze at you. Ouais, on a un peu vu beaucoup plus que tout à l'heure finalement. Just because you close your eyes. Ça sort sur des plateformes asiatiques qu'on ne connaît pas. Animal Crossing slash Mario confirmé. Bubblegum Galaxy. We're here, we're at the final stretch with our closing lineup of games, and we are going out with a bang. Is that an excuse to use finger guns? You bet your sweet butt it is. We're going out with a bang, folks. Get ready for an adrenaline-fueled ride with games that pack a punch and ooze larger-than-life personality. Starting with Abyss X-Zero, a gaming experience where you will be challenged to command two legendary heroes, each wielding unique abilities, destined to clash in an epic, epic showdown. And because of that heart-pumping puzzle action and the fact that cardio is apparently good for you, let's get that adrenaline pumping with a closer look at what Abyss X-Zero has to offer. Hello, my name is Tiani Pixel. And I'm Fernando Diaz. We're Studio Pixel Punk, a two-person indie team from Brazil. We're currently working on our next game, Abyss Cross-Zero. Oh, putain, ça fait des années que c'est en dev, ça. Est-ce que c'est propre? J'aime bien. Ouais, je crois que je les ai vus il y a longtemps. Ouais. En vrai, c'est stylé. Oui. Alors, mais j'ai pas regardé toutes les confs. J'ai regardé que les confs où je streamais. Si tu comprends, je suis tellement important que je me regarde que moi-même, quoi. La moto d'Ekira, là. Un Zelda-like. Oh, la musique, elle me fait penser au mini-boss dans Pokémon Violet Écarlate.
Oh la ref à kill à kill la kill. Mince, je l'ai loupé. Bah, elle vient de revenir. Mais tu l'as reloupé. Elle vient de revenir. Mais tu l'as okay, reloupé. Oui. Oui, c'est bon. Non, c'est bon. Oui, c'est bon. Il est bien ce boss, hein. J'espère qu'il y en a d'autres. AB6-0. Ah, mais oui. Ouais, c'est ça, je l'ai déjà dans ma liste de souhaits. Depuis des mois, je crois. Je sais plus comment je t'ai tombé dessus. Mais tort, sûrement. Oui, moyen. Rendez les équipements aux abonnés. Tu vois, j'aime bien le principe. Ouais. C'est la chance qui lui a fait tout perdre, il doit regagner par la chance. Ah là là, la chance n'existe pas. Hein. Mais ouais. Enfin, si, quand même. Non, qu'une question d'algorithme. Dans un jeu, pas dans la vie. Ouais, c'est pareil. Dépendant de tes choix. Dungeon Clove Live. Marrant de mettre en scène la présentation de son jeu comme ça. Ouais, ça sent pas très classe. Ok, cheese. Ah, des clones. Oh. Ah. Ok. Que c'est du métal à plan plan. Ah ouais. Ah bah je les ai découverts récemment sur Twitter, ceux-là. Oh, ma coup, ça devrait te plaire. Shoot dans le chat. Mais non! Urban Jungle. Another epic year of the Women-Led Games Showcase. We are humbled by the trust that people that allowed us to feature their incredible work placed in us to show their passion projects and what they're working so hard on to share with you. And we're
thrilled to continue bringing you more throughout the year. And we also just one more time wanted to offer our sincerest thank you to our sponsors, Stray Fawn and Disobey, for their incredible support to make this year happen. Being a part of this year's Summer Game Fest is a significant milestone for the women-led gaming community. It really is. And because of that, we want to also take a moment to give our sincerest thanks to Jeff Keighley, Emily Bouchock, and the Game Awards Future Class for amplifying the voices of women-led communities. Also, before you leave, don't forget to check out our Steam sale, okay? You got from now until June 15th, and we're going to go ahead and say that again, now till June 15th, because we're gamers. We wait until the last minute, and we really can't be doing that, okay? You need to go to the Steam sale, you need to check out some awesome demos, you need to save yourself some money, and you need to be adding things to that wish list. On a 4 minutes de retard sur le programme. And that helps support the health and the integrity of non, the community and gaming industry as ah, well. So you need to just go and mosey on over there. Not yet, we're not done here. But once we're done, then you're going to want to mosey on over to the Steam sale. And you're going to want to check out those demos that are live now for not only the games we featured today, but so many others that are just waiting for you to explore them. So make sure you check out those demos, have a good time, support the teams, and don't forget, you're supposed to be adding to those wish lists. Once again, I'm Leanna Rupert, and it has been a genuine pleasure hosting you for this year's Women-Led Game Showcase. Until next time, once again, thank you so much for joining us. And don't forget, follow us on socials. Be a part of the conversation. We love to hear your thoughts. We want to share in your victories. We want to share in your gaming experiences. And we want to just be closer as a community as a whole. That being said, we look very much forward to seeing you at next year's Summer Game Fest and the Women-Led Game Showcase. À l'année prochaine! Happy gaming, friends! Tchuss! Bye bye YouTube, c'était le Women-Led Game. Enjoy!